On va parler de 71. 71. J'ai trois petits pochons. Bah, Samba a raison. Hein. Ouais, 71. C'est notre 71e vidéo. Eh ouais, les amis, 71. Pas mal. La 71e. Et aussi la dernière, en tout cas dans cette formule binôme Sylvain-Lisa, puisque je m'en vais très bientôt. Au 1er octobre, je pars travailler dans la ville de Montreuil, les bibliothèques de Montreuil. Voilà, qu'on salue chaleureusement. Et bah du coup, c'est notre dernière. Une dernière en duo infernal, voilà. Donc, que dire C'est un peu triste. Hein. Ouais, on a commencé il y a 4 ans, quoi. Donc, c'est fou, quoi. Le temps est passé à toute vitesse. 2020. C'était l'époque du Covid. 71 vidéos. C'est ça. Bon, allez, au liqueur. Bah, c'est parti pour le show. Allez, let's go. Hello, jeunes gens. Comme vient de le dire mon amie Lisa, place au show, 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 show. Ouais, c'est le show des nouveautés pour cette dernière vidéo coup de cœur made in Argenteuil. J'ai reçu une tonne de DVD et encore, hein, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Hein, voilà. Ça, c'est pour l'aspect Titanic. Voilà, petit clin d'œil à James Cameron. Allez, je vous montre ce qu'on a reçu et puis vous le savez, hein, sur Bib en ligne, vous pouvez réserver. Vous pouvez aussi réservé auprès de nous, à l'accueil. Voilà, n'hésitez pas. C'est parti. Allez, je vous montre vite fait ce qu'on a reçu. Priscilla, le biopic sur la femme d'Elvis Presley, extraordinaire, vraiment très très bien. On continue. Leroy, polar à la frère Cohen, de très très bonne tenue et puis d'une drôlerie. Opération Père Noël, eh ouais, on n'oublie pas les petits. Les petits enfants, Opération Père Noël, vous allez me dire, on n'est pas encore... dans cette période hivernale, et pourtant c'est tous les jours Noël à la médiathèque. Un film japonais extraordinaire de Ryusuke Hamaguchi, Le mal n'existe pas. Un vrai trip sensoriel, vraiment vraiment très très recommandé. Une vraie parabole écologique qui touche énormément avec un souci pictural qui laisse pantois. Continue, documentaire Atlantic Bar, très très bien, qui se passe à Marseille. Voilà, un bar qui est en voie de disparition, dernier lien social. Les carnets de Siegfried, un biopic diablement original. Et SOS Fantôme, le dernier pour les pitchounes. Voilà. Civil War, dont on a tant entendu parler. Je suis un petit peu déçu par Civil War, mais bon, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine critique, qui sait. Kung Fu Panda 4! Wouah! Voilà, qui est un petit peu en dessous du troisième, hein, mais bon, c'est plaisir. Fall Guy, avec Emily Blunt et Ryan Gosling, et Jean-Claude, le chien. Il reste encore deux mains. Énorme succès, film italien. La nouvelle saison de True Detective, avec l'impeccable Jodie Foster. Et puis, mon coup de cœur absolu, puisque tous ces films, ben je les ai vus, ou presque. Mais alors, je viens de voir quelque chose, les enfants. Mamma mia. Je vais vous parler de la malédiction, l'origine. Alors, dit comme ça, on se dit, waouh, encore un préquel, une suite, je ne sais quoi. Sauf que c'est un premier film, réalisé par Arkasha Stevenson, avec l'impeccable Neil Tiger Free, qui ressemble étrangement à Brian Molko, le chanteur de Placebo. Voilà, comment vous résumez ça? C'est une claque, mais... Pouah! Vraiment, hein, incroyable ce film, incroyable, j'étais rivé à mon canapé, vraiment, hein, j'ai pris mon coussin entre les mains et j'ai flippé ma race, comme dirait l'autre. Quoi. Non mais c'est vraiment, vraiment bien. Hein. Alors, Arkasha Stevenson, vous la connaissez un petit peu certainement, puisque c'est l'une des réalisatrices de la série Channel Zero, qui vraiment foutait la trouille, hein, on peut le dire. Et là, donc c'est son premier long métrage. Donc c'est le préquel de La Malédiction, vous savez, la saga réalisée par Richard Donner en 76, puis il y a une suite. Malédiction, Richard Donner... Voilà, Omen, The Omen. Et puis la suite, hein, Damien, La Malédiction 2. Alors le premier est réalisé par Richard Donner, le second par Don Taylor. Richard Donner, vous le connaissez aussi, hein, c'est le réalisateur de L'Arme Fatale. Entre autres, de Superman, enfin voilà.
Et puis donc, le deuxième Malédiction était vraiment de très bonne tenue aussi, hein, avec un très beau scope. C'était bien réalisé, c'était une très bonne suite. Mais donc, le préquel de la Malédiction, ouais, pourquoi ? Bon, voilà, hein, on sait. Et puis bon, les critiques étaient quand même vachement bonnes. Je me dis, tiens, on va regarder ça. Interdit moins de 16 ans. Et je vous assure, quand on voit ce qu'il y a à l'écran, quand on sait que c'est Disney qui a produit ça, on se dit, mais c'est pas possible, le producteur avait les yeux fermés, il venait de se réveiller, ou je ne sais quoi. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, on devine un petit peu ce qui se trame derrière la Malédiction. C'est encore le diable qui est de retour, et du moins l'Antéchrist. Je vous dis pas l'histoire, parce que sinon ça va tout vous gâcher. Mais sachez que la réalisation est assez incroyable, je viens de le dire précédemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cadres ne bougent pas. Il n'y a pas de travelling, très très peu. La direction d'acteur est impeccable, et il y a des scènes, mais apocalyptiques. Je vous dis juste quelque chose, il y a une scène d'accouchement. J'en ai vu, hein, des films d'horreur, hein, j'en ai vu. Et celui-là, waouh! Et puis, l'incarnation des personnages par toute la distribution, c'est high level. Vraiment, hein, c'est fou! Vraiment, j'étais scotché du début à la fin. Et vous savez, pour faire un bon film d'horreur, il faut toujours qu'il y ait quand même un poids sociétal derrière. Il faut qu'il y ait un vrai sujet. Sinon, c'est juste une course-poursuite avec un type et un couteau qui s'acharnent sur des jeunes gens. C'est pas le cas ici. C'est un pamphlet contre l'Église. Vraiment, hein, c'est culotté. Nous sommes donc dans les années 70. Et donc, on assiste à... Bah, c'est l'après 68, hein, à l'émergence d'un vent de liberté. Les jeunes en ont assez donc de tout ce qui est code, de tout ce qui est loi, de tout ce qui est Église. Ils manifestent dans la rue, c'est l'émancipation pour bon nombre de femmes. Enfin, donc l'Église réagit à ça. Je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi, mais en tout cas, elle décide de faire quelque chose vis-à-vis de ce souffle qui parcourt la société italienne. Et puis là, ça se barre vraiment en sucette. Je pourrais vous en parler des heures de ce film. Hein. Venez me voir à la médiathèque, comme disait Lisa. Hein. C'est vraiment, vraiment, mais j'ai pas de mots. Voilà, la Malédiction. L'origine, empruntez-le, faites-vous plaisir, et puis regardez-le seul, surtout la nuit. Voilà, je laisse la parole à mon amie Lisa pour la dernière fois. Pour cette dernière, je vais vous parler de la rentrée littéraire, bien sûr, et je vais vous parler de Anne d'Angleterre, de Julia Deck, que je viens tout juste de terminer. C'est le 6e livre de Julia Deck, tous les précédents étaient parus aux éditions de Minuit, et celui-ci est le premier à paraître chez Seuil. Dans ce livre, la volonté profonde de Julia Deck, c'était d'écrire la vérité. Chose qui peut paraître un peu naïve et utopique, comme si on pouvait isoler la vérité, la circonscrire, la définir et l'enfermer dans un livre. Évidemment, l'autrice est loin d'être bête et elle sait que cette volonté n'est qu'une sorte d'illusion après laquelle elle va courir. C'est pour ça que le livre est sous-titré « Roman ». Mais c'est le premier de Julia Deck qui parle d'un fait biographique ou autobiographique, puisque l'Anne d'Angleterre du livre, c'est sa mère, qui est au départ anglaise. Elle est née, elle a grandi toutes ses premières années, sa jeunesse, en Angleterre. Au tout début du récit, il arrive à Julia Deck ce que chaque enfant redoute, c'est-à-dire être confronté à la mort de ses parents. Un jour, elle rentre dans l'appartement de sa mère, elle ne la trouve pas, et en réalité, sa mère est étendue sur le carrelage de la salle de bain. Elle a fait une mauvaise chute, en réalité, suite à un accident vasculo-cérébral, un caillot dans le cerveau. Et en fait, elle n'est pas morte, mais ça fait plus de 24 heures qu'elle gît là, sur le carrelage de la salle de bain, dans une position très inconfortable. Donc, la mère et Julia partent aux urgences, et ça va se transformer en de longues semaines, puis de longs mois à l'hôpital. De toute cette période absolument cauchemardesque, Julia Deck va retranscrire en réalité l'absurdité du système de santé en France actuellement, et c'est-à-dire l'absence de moyens octroyés aux hôpitaux et au final l'absence de soins donnés aux patients. Puisque sa mère est mise dans un lit d'hôpital, mais on ne lui donne pas de traitement,
on ne lui octroie qu'extrêmement peu de séances de rééducation, alors qu'en réalité, ces séances seraient cruciales pour elle, puisqu'elle est paralysée de toute la partie droite du corps, et ça lui permettrait de recouvrer un peu de motricité, au moins de sa partie encore valide, de retrouver un peu de langage, puisque bah, quand c'est quelque chose qui touche aux neurones et au cerveau, bah, le langage part en bibrine, et elle se retrouve à utiliser des mots pour d'autres, et par exemple, molécule. Molécule est un mot qui va remplacer la plupart des verbes, des adjectifs, des noms, et donc voilà, son langage rempli de molécules, sa partie droite paralysée, elle gît dans un lit d'hôpital pendant des semaines en attendant qu'on s'occupe d'elle. Et Julia va se débattre avec ce système de santé absurde. En réalité, elle va nous montrer à quel point d'un système de soins, on est passé à un système de gestion administrative, c'est-à-dire gestion du nombre de lits vacants, gestion de qui on met dans quel lit, juste comme si c'était des petites cases, et qu'on perd totalement de vue la réelle nécessité des hôpitaux. Ce système administratif, elle le montre gangréné par la pensée managériale, puisqu'on va la sommer de construire un projet pour la fin de vie de sa mère. Donc voilà, cet accident, cette fin de vie se transforme en nécessité de projet, ce qui évidemment l'horripile. Ce n'est qu'un compris, elle parle du système de santé qui part en bibrine et de quelque chose qui se détériore en devenant une question de management. Et dans ce roman, en réalité, on va alterner entre deux types de narration. Il y a des chapitres au présent qui racontent donc la mère alitée, Julia Deck, qui se débat, enfin la narratrice qui se débat avec ses questions, mettre dans un EHPAD ou pas, trouver quel EHPAD, lequel les accepterait, à quel prix, etc. Et aussi des parties au passé sur la vie de sa mère, de son enfance en passant par l'âge adulte jusqu'à nos jours. Et là, Anne et Julia sont décrites comme des personnages, en fait, elles sont présentées de l'extérieur, et même si c'est tout à fait biographique, c'est là qu'il peut y avoir de forts aspects romanesques. Sachant qu'en plus, on avance obscurément vers un secret de famille, d'où la question de la vérité qui était posée dès le départ, mais je ne vais pas en dire plus à ce sujet. En tout cas, sachez que bah, même si c'est effectivement un sujet très difficile, qui ne donne pas du tout envie de rire a priori et qui est très lourd, il y a heureusement l'humour de Julia Deck qui est toujours présent. Il y a toujours l'ironie de sa plume qui va pointer et qui va faire qu'il y a quand même des moments où on va sourire, où on aime bien son côté pince sans rire. Et puis, de toute façon, c'est un livre qui se... dévore, c'est un terme un peu rebattu, mais on n'a pas envie de s'arrêter, on passe d'un chapitre à l'autre, on a envie de poursuivre jusqu'au bout, ça se lit extrêmement facilement. Je vais vous lire juste un tout petit extrait pour que vous ayez un peu une idée du ton de l'écriture et aussi de ce qu'elle a dû vivre. Elle a rendez-vous avec une assistante sociale parce qu'elle essaie de voir quelle démarche administrative elle doit faire pour monter des dossiers pour des EHPAD pour sa mère. 4 jours après notre premier rendez-vous, j'apporte le dossier à l'assistante sociale. Elle se montre un peu plus sèche que la première fois. J'aurais déjà dû visiter des maisons de retraite.
Et les devis, ai-je obtenu des devis pour la rénovation de l'appartement ? À vrai dire, je n'ai pas pris cette suggestion au sérieux. Ma mère est allongée la plupart du temps. Elle bouge la main gauche si on le lui demande et c'est tout. Mais au cas où, sermonne l'assistante sociale. Je suggère poliment que j'ai assez de pain sur la planche pour m'éviter des tâches inutiles. Elle hausse le sourcil. N'ai-je pas envie de voir ma mère rentrer chez elle ? N'aimerais-je pas qu'elle puisse prendre une bonne douche ? Je suis obligée de convenir que ces hypothèses sont souhaitables. « Et puis ça vous occupera », conclut-elle en remisant mon dossier dans un coin. Je comprends que ces deux rendez-vous avec une assistante sociale ont fait de moi une assistée, une fainéante qu'il convient d'engloutir sous les démarches oiseuses pour lui rendre le sens des responsabilités. Voilà. Et sans transition, je vais vous parler, mais cette fois-ci très très rapidement, parce qu'il s'agit d'un livre de la rentrée littéraire également, mais que je me suis acheté pour moi. Donc je le présente vite parce que je pense qu'on va le commander aussi pour la bibliothèque, mais il ne va pas être tout de suite en rayon. C'est un premier roman et ça s'appelle Marc. C'est écrit par un jeune homme qui s'appelle Benjamin Stock. Et je tiens d'autant plus à vous le présenter d'abord parce que je l'ai énormément aimé, mais aussi parce que ça rejoint cette question de la vérité. Julia Deck, elle, cherchait à circonscrire la vérité, son essence pure. Eh bien, ici, Benjamin Stock nous parle de l'ère de la post-vérité. Il nous parle du côté extrêmement relatif de la vérité et du fait que chacun puisse se créer sa petite vérité bricolée selon son acception du monde, ses opinions, sa vision des choses, le tout enfermé que l'on est chacun d'entre nous dans nos bulles intimes et puis les sphères dues aux algorithmes personnalisés des réseaux sociaux aussi qui nous maintiennent dans notre vision du monde. Donc c'est un sujet pas très funky mais en fait qui est mis en scène d'une manière extrêmement marrante. Parce que il nous parle d'une espèce de société secrète qui existerait en France et qui se rassemblerait sous le manteau pour partager leurs exégèses, leurs analyses sacrées de l'œuvre de Marc Lévy. Parce que oui, Marc Lévy n'est pas juste un auteur de romans feel good. En réalité, derrière ces romans a priori futiles se cachent des vérités secrètes. Il y aurait une signification politique et spirituelle révolutionnaire distillée derrière des symboles extrêmement habiles et bien choisis. Donc voilà, un petit sujet loufoque, mais en fait, c'est vraiment passionnant, Enfin, on va au bout de l'histoire en voulant savoir jusqu'où ça va aller. Franchement, j'étais pas prête pour la fin. C'est pas facile à avaler. C'est super drôle, même si, pareil, vision de la société un peu déprimante, il y a un côté Houellebecquien dans la manière d'écrire et dans la vision de la société. Mais un premier roman extrêmement intéressant, je vous recommande vraiment de le découvrir si vous avez l'occasion, c'est Marc de Benjamin Stock. Eh ben, que d'émotions pour cette dernière, j'étais pas prête. Hein. Eh bien, comme dirait cet immense poète, voilà, c'est fini. Bon, bah écoute, Lisa, bonne route à toi. Merci. Je me penche un peu. Nos discussions le matin de la gare d'Argenteuil jusqu'à la médiathèque vont me manquer énormément et je tenais juste à te remercier pour ton amitié sincère et fidèle, et puis en tant que collègue, ton professionnalisme et ton engouement de tous les jours. Voilà. Eh bien, this is the end, my friend. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien et que le meilleur arrive pour la suite. Pour Sylvain, pour la bibliothèque, pour vous tous les lecteurs. And for you. Bisous.